nous avons fondé avec l'Université de Bruxelles une revue qui s'appelle Contexte et qui parle de sociologie de la littérature. Cette revue, en fait, a été créée en 2006 par un groupe de jeunes chercheurs, des doctorants et des jeunes docteurs, afin de trouver un lieu de publication pour les recherches en sociologie de la littérature qui n'avait pas de lieu spécifique. On a directement pensé à une revue en ligne parce que nous n'avions pas de budget à l'époque, nous n'en avons toujours pas beaucoup, et le modèle de l'open access qui était en tout cas en sciences humaines, qui commençait tout doucement à se faire connaître, nous a vraiment tenté directement. Et on a bien fait parce que finalement c'est grâce à la diffusion très large qui a été induite par ce modèle que la revue a pu connaître un certain succès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les grands chercheurs de la discipline nous ont rapidement fait confiance et nous ont permis de publier leurs recherches en plus des recherches des jeunes chercheurs, ce qui a donné un caractère sérieux et reconnu assez rapidement à la revue. Donc, on voit que la barrière de diffusion que certaines revues peuvent adopter, dans ce cas-ci, n'était pas du tout pertinente. Et au contraire, le modèle de tout gratuit au départ et de tout en libre accès a vraiment permis à la revue de se développer. Les deux premiers numéros ont été faits par nos soins sur un site web indépendant. Et puis on a bénéficié de l'hébergement et des développements techniques et technologiques de revue.org, Open Edition maintenant, qui s'est vraiment révélé un partenaire d'une grande efficacité. La revue est effectivement une revue classique de révision, avec révision par les pairs. Il y a un processus de soumission tout à fait classique. Le comité de rédaction de la revue a été renouvelé plusieurs fois ces dernières années du fait de la renommée grandissante de la revue, et donc ça a permis de pallier le côté bénévole assez prenant et assez lourd finalement de la gestion d'une revue.